Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak Vefani Dvora Bat Esther David Bat Fortuna Mazal Fritna et Amram Yona Ben Chana et Shimon Ben Ileu Vekuka. Si vous souhaitez aussi une prochaine tune de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Mazal Kuvot. Perek Dalet Mishnah Yud Lokatav La Benin Nichin de Avon Nichim Nai Inon Irtun Kesef Kuvatich Yeter Al Chaloke On de Imachuhon. Une Mishnah qui s'intéresse de nouveau au... On revient maintenant sur le sujet un peu plus initial que la Mishnah précédente. En fait, on est sur le même principe. Je répète. Chachamim ont instauré. Lorsqu'un homme se marie avec une femme, ils ont prévu, ils ont décrété toutes sortes d'engagements que le mari a passé à sa femme. De la nourrir. La nourrir, c'est de la Torah. Entretenir des rapports avec sa femme, c'est aussi une mitzvah de la Torah. Mitzvah Onan. Et Sharak Sutta Vornata, et là aussi la vêtir aussi, nous connaissons par la Torah, explicitement dans Parashat Mishpatim, Sharak Sutta Vornata, Loïgra. À part ça, enfin, on saurait toutes sortes d'autres engagements, de la soigner, de la. C'est la prise en captivité de la durée, et encore d'autres engagements aussi, de lui donner une certaine dot aussi, de 212 minimales, et peut-être plus, s'il veut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La problématique de nos Mishnah, maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe s'il a oublié d'écrire une des clauses? Quand ils ont écrit la Ktouba, il s'est engagé. En contrat classique, si on a oublié, on a mis une clause qui était dans le contrat, et qu'il n'y a pas de preuve que ça a été dit, mais ça a été une omission juste du chauffeur, mais c'était bien clairement que... On avait parlé plein de choses, quand on s'est retrouvé le jour du contrat pour la signature, on a oublié d'écrire une chose, on s'est engagé, on a payé le prix pour la chose-là, mais on n'a plus engagé par les choses dont on avait parlé initialement. Selon ce principe maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque un homme se marie avec une femme qui a une touba et qu'il oublie d'écrire quelques clauses qui sera même instaurée, il est quand même astreint à ses clauses, d'accord? Parce que c'est un tenaï bedin, ramim ou instauré par le bedin, ils ont posé la condition que c'est comme ça qu'on se marie, pas autrement. Maintenant, du coup, c'est l'occasion pour découvrir toutes sortes d'engagements que le mari a, avec en l'occurrence une chose qu'on avait évoquée plus tôt, qui était l'okatavla, il ne lui a pas écrit benin dichin, les hommes, garçons, diavon, les enfants, garçons, diavon nechiminaï, qui vont être de toi pour moi, de moi, les garçons qu'on va voir ensemble. Inun yirtun, eux-mêmes hériteront, kesef ktubatir, l'argent de la somme de ta ktuba, yeter al chulakehon, plus que leur part égale, des imacheron, qui doivent hériter avec les autres frères. Alors la Mishnah, elle a dit que même si elle a pas écrit cette phrase-là, que c'est la ktuba benindirin, chayav, il est quand même obligé de. Il est astreint par cette clause, même s'il a oublié l'ont mise, parce que c'est une condition qui a été instaurée par le Bet-Din lui-même qui a été décrété, donc on est tous astreints. Ça, c'est le principe général. Maintenant, plus pour mieux comprendre de quoi ça parle, parce qu'on l'avait déjà dit, mais je vais le répéter quand même très rapidement. J'ai une première femme, Tzadika, Chana, avec elle j'ai 10 enfants. Et Baruch Hashem, à part ça, maintenant j'ai envie de me marier avec une deuxième femme. D'accord? Une jeune petite Rachel. Fille de milliardaire, millionnaire, elle va maintenant, elle, quand je vais me marier avec elle, vous comprenez que ma situation, elle va devenir gigantesque, on va devenir très riche, parce qu'elle est très riche. Elle va me faire rentrer 10 millions de cacahuètes. Elle me fait rentrer maintenant les 10 millions. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle a la peur avant de se marier. Il y a quelque chose d'un peu inégal, quoi, parce que, imagine, elle va se marier avec elle. On va avoir ensemble un enfant. Combien on peut avoir? D'ailleurs, on commence à être vieux. D'accord? On va avoir un enfant. Maintenant, en théorie, si elle meurt, là, Rachel, elle va mourir avant moi. Alors moi, je vais hériter de ces 10 millions. Après mes 120 ans ensuite, tous mes enfants, les garçons, ils vont tous hériter équitablement de ses biens. Il s'avère que le garçon que je vais avoir avec Rachel, lui, il va lui rester des 10 millions de sa mère, il va lui rester 1 million. Pourquoi? Parce qu'il va donner les 9 millions à tous, à ses autres frères. C'est pas juste. Ouais, c'est inégal. Du coup, Rami m'a instauré, en théorie, c'est ce qui se passe. Quand Rachel, elle meurt, je l'hérite. Et quand moi, après mes 120 ans, eh ben, c'est mes enfants qui méritent, tous équitablement, il n'y a pas de raison. Rémi, on dit, mais seulement c'est injuste. Les gens, il faut rétablir ça. Il faut instaurer une clause que ce qu'elle, elle fait rentrer. Alors, je m'engage d'abord que le jour où je la divorce, je dois lui donner cette dot-là. Rachel, elle fait rentrer les 10 millions. Je m'engage, en contrepartie, de lui payer ces 10 millions. Le mari s'engage de donner la clause selon ce qu'elle a fait, elle a fait rentrer en général. Et donc, du coup, elle a fait rentrer les 10 millions, il s'engage à lui donner les 10 millions. Et en plus, il le crie même clairement que si toutefois elle décède, il s'engage que le jour du partage de ses biens, ses enfants qu'il aura eu d'elle, ils hériteront spécifiquement de cette part-là plus que les autres. Ça fait que les 10 millions qui sont rentrés, il reste pour ce 11e enfant qu'il va avoir. Et à part ça,
tous les autres biens qu'il avait, qu'il a acquis tout seul, que j'ai acquis tout seul, après les 120 ans, tous les enfants, même lui, le 11e là, il devra aussi hériter équitablement en partageant tous les biens qu'on a tous ensemble. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la Ktuvat Banin Dichrin. Et dans la prochaine Mishnah, on verra c'est quoi? Benan Nukvan, la Ktuvah, l'engagement spécialement par rapport aux femmes. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.